Chaleureux
dans ce lieu magnifique, sur la commune de Fria. Un grand merci à Monsieur le maire de nous accueillir dans ce magnifique endroit. Voici le jour que j'attendais. Celui-ci présente comme le jour le plus important pour notre association. Pourquoi ? La concrétisation de notre premier objectif, celui-ci est enfin atteint. Non pas sans mal, un jour de gloire pour Café Crème. Le jour de vous prouver que oui, le mélange des couleurs est possible. Le café qui représente l'énergie et la force, la crème, la douceur et l'amour. Voilà ce que nous essayons de véhiculer également auprès de notre association. Ce fut un parcours compliqué, mais nous avions la chance d'avoir une équipe surmotivée et passionnée. Ce jour est l'aboutissement d'un projet. Mais quel projet? Le premier, oui. Comme dit toujours notre président Julien Dubard, depuis la France, précisément à Templeuve, l'aventure continue. Cette cérémonie restera gravée dans ma mémoire et j'espère surtout dans celle des enfants. Nous continuerons à porter de France beaucoup de matériel et de réconfort pour les habitants et surtout les enfants de Fria. Notre objectif ne s'arrête pas là, pas maintenant. En collaboration avec ACIF, nous allons à présent continuer à développer la formation dans le domaine de l'animation auprès des enfants de 2 à 16 ans. Pour terminer, je tiens maintenant à remercier tous mes partenaires sans qui tout ce beau projet n'aurait pu voir le jour. Ambassadeur de Guinée à Paris, M. Amara Camara, les associations sportives de FRIA, ACIF, FRIA relève-toi, la mairie de FRIA, la radio-télévision guinéenne, la voix de FRIA. Du côté de la France, l'ambassade de France, la mairie de Templeuve, toutes les associations qui ont participé de près ou de loin à notre projet. Mais surtout, je tenais à remercier l'équipe qui m'accompagne en France et en Guinée, une équipe de coordinateurs, une équipe de qualité, une équipe de directeurs, d'animateurs, tous professionnels avec un seul simple objectif. Quel objectif ? Aider les enfants d'Afrique et d'ailleurs, pourquoi pas les enfants de FRIA. Et comme dit mon président Julien Dubard, je répète 1000 fois, à qui je pense très fort, qui a toujours dit l'aventure continue. Je vous invite maintenant à me suivre pour la distribution dans les hôpitaux aussi. Pour tous ces enfants qui sont malades, qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, merci chers invités, merci la délégation, merci la République des Guinées, merci les enfants de FRIA et la politique continue. Quand on sait ce que vous vivez, on est heureux de constater que vous continuez les activités. On parle de matchs de football, on rigole, on blague, on fait vraiment comme si rien n'était. Donc je voudrais commencer par vous adresser mes remerciements pour cette leçon de courage. Merci pour ce que vous faites là, parce que c'est extrêmement important, aussi bien pour vous que pour ceux qui vous regardent. Cela dit, je voudrais vous transmettre les salutations chaleureuses de M. Moustapha Naïté, ministre de la Jeunesse, que vous avez eu l'obligeance d'inviter à cette cérémonie. Vous savez qu'il est le parrain politique de cette ville. Il est donc préoccupé par tout ce qui se passe à Fria. Il voudrait être au cœur de tous les événements qui ont lieu ici. Et à ce titre-là, il a souhaité être parmi vous ce matin. Malheureusement, vous savez, un ministre ne s'appartient pas.
Parfois, on a un programme et à la dernière minute, il se passe quelque chose. Donc, il n'a pas pu se déplacer. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses et il m'a demandé de le replanter ici, à cette cérémonie. Je voudrais en son nom adresser à l'ONG Café Crème les remerciements de tous les départements de la jeunesse. Merci non seulement de nous avoir associés à cette activité, mais merci aussi pour tout ce que vous faites pour FIA et donc à travers FIA pour la Guinée. Quoi qu'on fasse pour FIA aujourd'hui, ça ne suffit jamais. Il y a tellement de besoins ici, il y a tellement de choses à faire. Mais chaque fois que nous avons l'occasion de manifester aux populations de FIA notre geste de solidarité, notre volonté de venir à leur secours, ça les va droit au cœur. Ça fait chaud au cœur. Quand on est dans l'épreuve, ça fait chaud au cœur de savoir qu'on n'est pas seul. Ça fait plaisir de savoir que d'autres pensent à vous, même si ce n'est pas suffisant. Vous avez dit, l'aventure continue. Nous souhaitons être associés à votre aventure. Donc, merci pour ce que vous faites déjà. Je voudrais également profiter de cette circonstance pour adresser aux bénéficiaires, aux enfants, aux enseignants, aux parents qui sont les bénéficiaires directs de cette affaire aussi, nos remerciements pour l'accueil que vous faites à tous qui viennent vous voir, mais aussi nos encouragements. Nous savons que ce n'est pas facile, mais vous tenez la tête haute et ceci est extrêmement important. Nous voulons vous dire que nous sommes à vos côtés, que la Guinée est à vos côtés. Même si parfois vous avez l'impression qu'on ne fait rien pour vous, sachez bien que tous les Guinéens partagent vos peines. Je tiens à vous ce petit mot-là et vous dire vraiment que ce qui est fait pour vous là, on souhaite que ça serve d'exemple, que ça attire d'autres partenaires, que d'autres Guinéens soient invités à faire deux fois, trois fois, quatre fois ce qui est passé par là. C'est un mot d'encouragement. Je voudrais dire encore une fois, merci à l'ONG Café Crème. Bonne année 2016 au président de FIA. Merci. Merci. De la commune urbaine de FIA. D'abord, je souhaite la bienvenue à Café Crème. Vous me permettrez de ne pas être long, parce que la joie qui m'anime ce soir, ce matin du moins, en assistant à cette grandiose cérémonie, ne peut pas m'en donner l'occasion. Donc, à notre jeune frère, grand frère de certains, fils de certains, oncle de certains, nous lui disons grand merci. Grand merci à l'ambassade de France. Grand merci au ministère des Actions sociales et de l'enfance. Grand merci à la commune Temple Carbon. Grand merci à la commune en France, de tous ceux qui pensent qu'on peut servir à distance les enfants de notre communauté. Vous avez dit dans un passage de votre discours que vous souhaiterez que la jeunesse de FIA vous regarde et vous imite pour les travaux qui vont être effectués par eux. Ce bel exemple que vous avez donné aujourd'hui, M. David, est un chemin à suivre. Et nous osons espérer que les aventuriers qui sont encore ailleurs et qui pensent qu'on peut réussir et oublier ce soir comprendront qu'un seul geste en faveur de son pays natal, en faveur de sa région natale, en faveur de sa ville natale, est un acte posé et qui reste gravé dans l'annale des histoires de l'homme et de son pays. Nous leur dirons que la commune de Bernoufouillard sollicite, je dis bien,
appelle un sollicite. Un travail de collaboration. Car nous faisons espérer que si on se parle la main même à distance, la réussite peut nous être facile. Et nous faisons espérer que les jeunes prendront soin de ces livres à travers lesquels ils vont se cultiver. Car sans culture, pas de tête. Et sans tête, pas de vie. Merci à tous et bonne suite de la cérémonie. Merci. Merci Pierre. Des enfants. Et il est aussi dit qu'en formant et instruisant un enfant, on forme l'homme dont la nation a et aura besoin. Donc on aura construit, contribué à la construction de la nation, aussi bien dans le présent que dans l'avenir. Aux parents d'élèves, aux enfants élèves, aux encadreurs, nous vous demandons d'en faire bon usage de ces documents. Parce que ces documents pédagogiques, ces documents de nouvelles technologies, sont des instruments de travail qui peuvent faire de nos enfants ce que nous voudrions nous parler. Et l'autorité est à la disposition entière des donateurs pour tout ce qu'elle peut aussi faire dans leur accompagnement. Je remercie tout le monde au nom de Madame le Conseil. Merci. Café. Café. Oui,
125 livres. Chaque école bénéficiera de 125 livres. Ce sont les primaires, bien sûr. Les secondaires, c'est 237 livres. Et pour ce faire, nous avons 7 clés à notre niveau qui sera signée et cachetée par le président de Café Crème. Toutes les écoles répertoriées rentreront en possession de cette clé pour rentrer en possession des livres. Tout à l'heure, certaines équipes aussi sont répertoriées. Il y en a 16 à FIA qui vont bénéficier des ballons pour ne pas trop abuser du temps. Non, je ne vais pas me. On va les aller. Moi, équipe de football, bien sûr. Pourquoi je parle de ballon? Les coups sensibles qui sont là, Orphelina et autres repossessions qui évoluent, qui contribuent à aider les enfants qui. Seront visités tout à l'heure là, et recevront des dons parce que les habits aussi sont là. Pour enfants de 0 à 16 ans. En plus, il y a les joueurs. Merci. Grand merci, je vous remercie tous. Et l'aventure continue. Merci. L'aventure continue, ainsi dit, ainsi sera fait. Alors, dans tout Seigneur, tout le monde, faites face au public là. Voilà. Alors, caméraman. Au nom
Les livres sont classés par catégorie. Il y a le collège et l'école primaire. Par là, c'est le collège. Il y a français, maths, physique, chimie. Bon, ici, c'est l'école primaire. Il y a CM2, CM1, CE2, CP. Tout est classé par cet ordre. Donc, on a un lot stocké à côté qui va servir de la bibliothèque. On va créer une bibliothèque ici qui va nous servir. Thank you.
Merci. C'est une occasion pour moi de remercier très sincèrement Café Crème, parce que rester à l'extérieur, mobiliser, n'est-ce pas, tous les partenaires pour envoyer un don comme ça aux jeunes de FRIA, aux élèves de FRIA, c'est une très bonne chose. Nous les encourageons et nous invitons tous les autres cadres à imiter Café Crème, parce qu'aujourd'hui, FRIA est dans les difficultés. Aujourd'hui, pour représenter Mme Fanaba Kaba à une cérémonie de remise de dons aux populations de FRIA. J'ai pu savoir que cette cérémonie était dans un conteneur de 20 pieds et il y avait des jouets pour enfants, il y a des équipements scolaires pour les enfants, il y a également des habits, il y a aussi des équipements informatiques. Et au nom de Mme la ministre Fanaba Kaba et de tout le pouvoir qui m'a été conféré, et avec l'autorisation, l'appui de l'ONG, Café Crème Guinée, au nom de, avec l'aval de Café Crème Guinée, j'ai l'honneur de faire la remise de ce don symbolique, composé de jouets pour enfants, de nounours, d'habillement, pour servir aux enfants hospitalisés dans votre hôpital. Nous souhaitons que tous les enfants qui entrent ici puissent avoir un espace, parce que c'est leur droit, puissent avoir un espace de jeu où ce minimum d'équipement sera installé pour les permettre de les rendre leur séjour agréable. C'est donc à ce nom, à cette aide, que je vous fais la remise officielle de cet équipement minimal. Merci beaucoup, monsieur le délégué. Au nom de l'ensemble du personnel de la santé de FRIA, surtout de l'hôpital préfectoral, particulièrement de la pédiatrie, nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour dans notre structure. L'événement qui nous réunit a du poids, parce que les enfants représentent l'avenir de leur pays. Et il mérite l'attention particulière de tout le monde et surtout des autorités. Et les enfants qui sont avec nous, ici présents, vous aurez l'occasion de les revoir, la façon de les hospitaliser. Et on ne ménagera aucun effort pour essayer d'organiser en tout cas un espace qui va leur plaire pour leur plein épanouissement. Pour le moment, on n'en a pas d'espace approprié à cet effet, mais on ne ménagera aucun effort pour le faire parce que déjà, ce geste magnanime que vous venez de faire est
c'est un symbole quand même de contribution pour le développement de notre structure. Et puisque l'ONG Café Crème Guinée, c'est la première fois de venir dans notre structure, nous voudrons un partenariat très ficelé entre nous pour que quand même, au-delà de ce geste, que nous entamons d'autres activités qui pourraient vraiment bénéficier non seulement aux enfants, mais à toute la population de Fria. Je vous remercie infiniment. Pour leur dire aussi qu'ils ne se sont pas oubliés du ministère des Affaires Sociales. La problématique de la vulnérabilité se pose dans cette ville. Et c'est pour cela que je m'en réjouis. Parce que le commencement du développement est la prise de conscience. Or, j'ai l'impression que les populations d'ici ont plus conscience. Et que dorénavant, les enfants vont être scolarisés. Et que les parents vont accepter de laisser, d'autant plus que l'équipement scolaire qui les manquait, elle les a produits par l'ONG. Il a dit merci et un grand chapeau pour eux. Merci et on s'excuse pour cette attente indépendante de notre volonté, comme l'a introduit M. Camara. Vous avez l'ONG Café Crème représenté en France par M. David Bambouya. Faire la remise d'un petit camion symbolique.
aux enfants alités, parce que j'en supposais que les enfants alités ont besoin peut-être de jouer, ils sont touchés d'un homme malade, parce que les seuls ont peut-être ils sont passés un peu de la douleur, un petit concours de médecins, savoir un jouet à des temps où ils sont un peu sur le clou, pouvoir jouer avec. Vous savez, on ne donne qu'à celui qu'on aime, quand on n'a pas quelqu'un, on ne peut pas le donner. C'est extrêmement important dans ces conditions extrêmement difficiles de faire des gestes. Ça vous donne toujours de l'espoir. Celui qui vous parle aussi est dans l'humanitaire, donc j'ai beaucoup d'expérience là-dessus. C'est toujours bien. Et c'est comme ça que chacun fasse ce qu'il peut faire. Tout ce qu'on peut donner, on le fait. Tout cœur. La Guinée nous appartient à tous. Travailler de ce pays nous revient. Nous sommes des Guinéens, donc tout ce que nous pouvons faire en bien, nous le fassions. Parce que nos parents l'ont fait. Pour que nous initions ça, pour que nos enfants sachent aussi que c'est ce que nous devons faire dans la vie. Les Européens le font, on dit qu'ils ne sont pas musulmans. Alors, pour cette raison, nous, nous sommes des croyants. Donc, au nom de la direction de Trigia, de l'administrateur, du DGA, de la France, je remercie tout le personnel aussi. Donc, merci pour tout ce qui est fait. Nous comptons sur vous ensemble pour pouvoir continuer les œuvres. Merci. 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 Vous savez dans quelles conditions nous vivons. S'offrir un jouet à un enfant, après vous le retirez. Vous comprenez? Si c'est une salle qui est conçue, il y a une personne qui vient, vous jouez, vous laissez tout, vous sortez. Et dès que vous donnez à l'enfant, c'est difficile. Voilà la situation. Je comprends. Oui, mais qui est je suis là à Bignex. Je sais. Allez, à ton mais à un moment, pas dit, pas dit, pas dit, madame, comment David Souma. Comment la Guinée? Il a des ouais, il a des ouais. Combien de mois, petit? Bon, presque un mois bientôt. Un mois. Mmh.
Je vous remercie, Café Crème, pour les cadeaux que vous nous avez envoyés. Ce que nous voulions, c'est d'aider les jeunes enfants afin qu'ils puissent vraiment être autonomes, qu'ils puissent vraiment apprendre à découvrir aussi d'autres cultures qui n'est pas de la culture guinéenne, mais comprendre d'autres cultures ailleurs. Donc nous voulons vraiment qu'on mette en place un échange international avec les enfants de Guinée et les enfants de la ville de France, notamment de Templeuve. Est-ce que l'ONG Café Crème compte seulement se limiter à cette activité? Ah mais non, on vient de commencer. On a des projets énormes. C'est juste un projet humanitaire qu'on a pu mettre en place. On a d'autres projets qui doivent être normalement en 2016, c'est de mettre un centre de loisirs dans la ville de Fria, pour les enfants de Fria, pour s'épanouir, pour s'amuser, pour jouer. Donc le but c'est d'aller plus loin, aider cette ville, mettre des structures vraiment correctes pour que les jeunes enfants puissent s'éclater, puissent s'épanouir. Je remercie Café Crème pour les cadeaux que vous avez fait pour nous. Je vous remercie Café Crème parce que les cadeaux que vous nous avez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la longévité et la santé. Je vous remercie Café Crème pour les cadeaux que vous nous avez offerts. Merci Café Crème. Merci Café Crème. Merci Café Crème.